Monsieur le Président des maires ruraux de Seine-et-Marne, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre commune, ici, dans un endroit aujourd'hui immortalisé par le cinéma, en l'occurrence. Vous êtes le président des maires ruraux de Seine-et-Marne et vous avez vous-même créé cette association il y a combien de temps en arrière et pourquoi l'avoir justement créée, cette association? Alors, c'est en 2009. Alors, l'idée m'est venue, c'est par rapport à mes responsabilités professionnelles, où j'ai eu l'occasion de rencontrer sur le terrain le travail que faisaient ces associations départementales. Et je m'étais dit, si un jour je deviens maire, eh bien, j'irai voir cette association sur la Seine-et-Marne. Et quand je suis arrivé donc à la mairie de Flagy, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'association départementale des maires ruraux. Et donc j'ai pris cette initiative de créer cette association. Et vraiment, je ne regrette pas du tout, parce que petit à petit, cette association aujourd'hui a une vraie légitimité sur la Seine-et-Marne. Alors justement, quand vous avez souhaité créer cette association, qu'est-ce que vous avez voulu lui mettre dedans justement? Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette association? C'était quoi l'idée de base? Bien, il m'a semblé que nous, les maires ruraux, on est un petit peu seuls aux commandes. Et si on veut essayer de faire avancer nos projets, parce que vous savez, on est toujours dans cette projection de se dire on se lance des défis, mais en même temps, on se sent un peu seul. Et donc, il était intéressant qu'on puisse échanger les bonnes pratiques entre maires. Et vraiment, aujourd'hui, c'est ce que je ressens le plus, c'est le fait d'échanger avec une grande simplicité. C'est le coup de téléphone, c'est le déplacement, on veut voir le collègue maire, qui devient un ami très rapidement derrière. Et c'est ça qui m'intéresse, cette fraternité entre collègues maires. Alors deux, trois axes depuis justement votre mandat, depuis que ça existe, deux, trois projets qui ont été réalisés avec justement avec cette association. Ben, c'est surtout de créer des contacts avec des structures qui sont déjà bien identifiées sur le territoire. Et j'ai surtout voulu travailler avec le monde économique. Et donc les liens qui sont aujourd'hui très forts, c'est des liens avec des grands groupes comme EDF, GRDF, Orange. Tous ces gens-là nous accompagnent. Et je pense que c'est assez nouveau que justement les maires ruraux puissent travailler intelligemment avec le monde économique. Ça c'est un axe, il y en a peut-être d'autres aussi que vous avez pu... Alors, les autres, ils sont peut-être plus modestes, plus, je dirais presque plus intimistes, mais c'est surtout, ce qui m'intéressait, c'est développer la culture en milieu rural. Je pense que c'est un axe fort. J'ai voulu être un peu le promoteur localement, mais en même temps, quand on est dans l'expérimentation, quand on peut démultiplier des initiatives comme ça locales, pour moi, la partie a été gagnée. Et la culture est quelque chose qui me paraît... intéressant pour faire, et c'est le slogan que j'ai toujours en mémoire, c'est créer du vivre ensemble au travers de la culture où on recrée du lien. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de communes rurales qui s'inspirent un petit peu de cette envie de partage. La jeunesse, dans votre mandat et au milieu de cette association, prend une place importante. Alors je dirais... la jeunesse et les femmes. Parce que souvent, on a l'impression que c'est toujours une affaire d'hommes. Et moi, j'étais extrêmement sensible au fait que les jeunes participent à nos projets, c'est essentiel. Mais aussi que les femmes rentrent dans la vie de la commune au travers de nos conseils municipaux. Moi, je sais immédiatement, alors que ce n'était pas une obligation, j'ai fait la parité. Je pense que voilà, il faut toujours avoir en mémoire les jeunes, les femmes et les anciens. Parce que l'envie, elle est à 20 ans, elle est à 40 ans, elle est à 60 ans, elle est à 80. Et pour maintenir cette flamme, ben, il faut aussi faire des projets et les faire valider par tous ces gens-là. Vous arrivez, Monsieur le Président, en fin de mandat de président de Seine-et-Marne, pardon. Comment vous voyez un petit peu la passation, comment ça va se transmettre
le bâton de président, de voir comment, qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir sur cette association que vous avez créée. Alors, c'est comme pour tout, même que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie familiale ou dans la vie d'un élu, il faut un petit peu aussi préparer les choses. Je pense que ça serait malhonnête de se dire, moi j'ai fait le boulot, j'ai fait le job, au suivant de se débrouiller. Si on part dans cette logique-là, on détruit tout ce qui a été construit pendant des années. Donc, que ce soit localement, puisque moi j'arrêterai en 2020, hein, les années passent, et il arrive un moment où il faut savoir s'arrêter, mais en même temps, il faut aussi préparer la suite. C'est ce que je suis en train de faire, et je pense que les choses se passent assez bien. Et au niveau de l'association des maires ruraux, c'est la même chose. Aujourd'hui, et j'en parlais avec Didier Gallet, avec qui je travaille régulièrement, effectivement, en 2009, on a démarré avec une trentaine de maires. Aujourd'hui, c'est plus de 130 maires qui sont adhérents à l'association. On ne va pas laisser tomber, là, il faut préparer l'avenir. Donc je suis en train de préparer ma succession pour l'association des maires ruraux, parce que je pense qu'aujourd'hui, elle est incontournable dans le paysage sénémarnais. Alors cette continuité, vous la voulez comment ? Différente ? Plus jeune ? Plus... Alors d'abord, la priorité des priorités, c'est qu'on existe encore demain. Je pense que quand on voit comment la loi NOTRe nous a complètement effacés dans le territoire avec des intercos XXL, déjà il faut survivre. En plus, quand j'entends les discours aujourd'hui, je pense qu'il va falloir se battre encore trois fois plus. Mais comme les maires ruraux, ce sont des gens qui n'abandonnent pas comme ça à la première mauvaise nouvelle, eh bien j'espère que les maires qui prendront le relais en 2020, ils soient assez pugnaces pour que nous puissions encore exister, et non seulement exister, mais être force de proposition et d'être inventif. On a parlé là longuement de votre présidence des maires ruraux de Seine-et-Marne. Parlons de votre mandat de maire. Vous nous accueillez aujourd'hui dans ce charmant village. Vous parliez de culture tout à l'heure, dans votre commune. On peut dire que vous la mettez en avant, puisqu'ici même, dans l'endroit où on est aujourd'hui, il y a eu un tournage. On peut peut-être en parler. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre commune? Alors, les choses se font jamais comme ça naturellement. Il faut toujours provoquer. Il faut toujours aller vers la source d'un projet. Et c'était quoi? C'était de se dire, Flagey a le potentiel pour tourner des films. Donc, je me suis rapproché de la commission régionale de France de la cinématographie, et puis ils se sont dit, ben, on viendra voir et on fera un book, on fera des photos, et puis on verra la suite. Et la suite, ben, c'est que 2 ans après, une équipe de repérage est venue, ils ont dit, votre village correspond tout à fait au scénario, à ce projet. Ben, j'ai dit, on y va. Et donc, du coup, petit à petit, alors bien sûr, pendant 2 mois, effervescent sur la place du village. Et puis, je dis souvent, culture et économie, ça va de pair. La preuve, c'est que la retombée économique locale s'est élevée à 250 000 euros. C'est quand même pas rien. Parce que c'est les locations de matériel, hein, ce sont les gîtes, chambres d'hôtes, les restaurants. Et tout ça a fait qu'il y a eu des retombées assez intéressantes. Donc ça montre bien que la culture en milieu rural peut être un vecteur d'économie et aussi d'emploi. Donc voilà, donc aujourd'hui, je n'ai pas souhaité que ça s'arrête à Bonne Pomme. Bonne Pomme, dans laquelle jouaient des grands... Comme Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Chantal Latsou et bien d'autres. Mais c'est surtout qu'on s'est dit, eh bien, et si Flagey devenait un village du cinéma? Et donc, on est parti sur un projet de festival sur le cinéma ancien. Et la première édition a eu lieu donc en septembre avec le Festival Paradisio. Et aujourd'hui, on a de nombreux partenaires industriels, économiques et associatifs qui veulent travailler sur ce projet pour cette deuxième édition. Et nous sommes très confiants. Et je suis ravi que la région Île-de-France, que le département, que l'État nous accompagnent financièrement sur un projet comme celui-ci. Monsieur le Président, comment vous voyez justement l'avenir de la ruralité? Alors, la ruralité existera encore demain si on est en capacité d'être partout où il le faut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit les autres qui parlent à notre place, qui pensent à notre place. Il faut qu'on soit sur le terrain, qu'on soit dans les instances décisionnaires
Et là, peut-être qu'on aura notre mot à dire. Pour moi, la ruralité de demain, c'est l'avenir de nos concitoyens. Il faut relocaliser l'emploi. Il faut redonner envie de se dire, on n'est pas une réserve d'Indiens, mais c'est là où demain, c'est nous qui allons nourrir Paris peut-être demain. Si demain on doit nourrir Paris, je suis désolé, mais il faut relocaliser l'emploi. Il faut aussi que derrière, il y ait des gens qui ont envie de retrouver dans leur quotidien un sens à leur vie. Et c'est quoi? C'est d'avoir un travail qui leur plaît. C'est d'avoir des temps de parcours qui soient le plus court possible. Et puis, comme ça, redonner aussi la possibilité à ces gens-là d'animer leur village, leur territoire. Pour moi, l'avenir, elle est rurale. Elle n'est pas urbaine. Ils font un petit peu marrer quand ils veulent faire des jardins au 13e ou au 14e étage. Non, le jardin potager, bio, sain, il est chez nous. Et c'est ça qu'il faudra défendre, bec et ongles, le plus longtemps possible. Un mot de conclusion, et là je m'adresse au président, peut-être face caméra, un mot de conclusion, vous adressez à vos collègues, confrères, lors de cette année. Chers amis, en tous les cas, ce que je garderai en mémoire, et surtout pendant très longtemps, c'est le fait qu'avec vous, j'ai eu des liens extrêmement chaleureux. Si au départ on se serrait la main, qu'on était des collègues, vous êtes devenus au fil du temps, de vrais amis. Et franchement, c'est ce que je garderai après le passage de témoin en 2020. Voilà, en même temps, j'espère, parce que j'aurai aussi d'autres activités, je ne vais pas m'arrêter aussi brutalement, et j'espère que dans mes futures activités, je puisse encore vous rencontrer. En tous les cas, un grand merci, vraiment, grand, grand merci, et merci d'avoir adhéré à l'Association des maires ruraux de Seine-et-Marne. Peut-être que aussi l'information ne va pas jusqu'au bout dans les familles. Peut-être qu'elles se sentent est-ce que je serai en capacité d'être ? Ou alors je suis en capacité d'être écouté ? Voilà, c'est il y a peut-être ça. J'ai rencontré dernièrement la présidente des citoyennes de l'Europe et elle me disait je suis étonnée du peu de personnes féminines qui viennent voter dans des élections majeures, et en particulier pour les élections européennes. Ils ont fait un constat qu'il n'y avait que 18% de femmes en Europe qui votaient. Donc, il y a du travail à faire. Et donc,
Et c'est bien de rencontrer ces gens-là, des gens qui ont aussi des contacts que moi je ne pourrais pas avoir localement. Et donc on se nourrit aussi de toutes ces rencontres. Voilà un petit peu l'intérêt de pouvoir échanger, de parler un peu du rôle de la femme, des jeunes et des plus anciens.